Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, bonjour. Merci de nous accueillir une fois de plus chez vous. Nous continuons notre montée vers Pâques et là, nous franchissons une étape importante puisque nous sommes le cinquième dimanche de Carême. Merci pour ce que vous faites, pour vos remarques, puisque voilà, ce que vous faites est très important pour nous et nous ne serons jamais avares de remerciements puisque ça nous va droit au cœur, vos commentaires. N'hésitez pas de faire des remarques, puisque c'est cette vérité que vous allez nous dire qui nous aidera à nous améliorer. Puisque cette émission, je l'espère, va continuer au-delà de Pâques. Donc merci, que ce soit du point de vue du contenu, du point de vue de la forme. Vous voyez là, comme j'ai mis le clergyman, c'est tout simplement suite à des remarques que j'ai reçues. Donc n'hésitez pas de faire vos remarques et puisque elles nous sont d'une importance capitale pour l'amélioration de notre émission. Donc nous sommes le 2 avril, donc cinquième dimanche du temps de Carême. La parole de Dieu de ce jour nous propose la première lecture tirée du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, versets 12 à 14. Le psaume, c'est le psaume 129. Et la deuxième lecture, c'est la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains, au chapitre 8, versets 8 à 11. Et l'évangile est tiré de Jean, chapitre 11, versets 1 à 45. Et voilà, j'espère que vous avez déjà compris qu'on ne lit que l'évangile. Et surtout, en ces temps de carême, l'évangile est très long. Donc nous n'allons pas abuser, mais regardez toujours la bande passante parce que vous avez toutes les références pour continuer la méditation de la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensait qu'il parlait du repos du sommeil. Alors, il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez. » Mais allant auprès de lui, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de la marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. »
Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où Jésus se trouvait, Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le quatrième jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés par les bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire, Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Voilà, après la guérison de l'aveugle, l'Église nous propose cette page de l'Évangile selon saint Jean où Jésus ressuscite son ami Lazare. Ressuscite, oui, on peut dire, mais il le relève, il le réanime, parce que il ne faut pas confondre la résurrection comme nous l'entendons, puisque nous disons, je crois, en la résurrection de mort, et la réanimation de Lazare. Lazare a été réanimé. Mais ce qui est plus important ici,
Ce n'est pas nécessairement la réanimation de Lazare, mais c'est surtout la démonstration de la force de Dieu sur la mort que Jésus fait. Puisque si le grand intérêt était la mort de Lazare, sa résurrection, ou on peut dire sa réanimation, à quoi bon? Parce qu'on sait que Lazare est mort de nouveau. Et donc, si le but était de rallonger de quelques années la vie de Lazare, je ne vois pas vraiment l'intérêt de cet acte que Jésus pose, puisque l'acte de Jésus que Jésus pose en tant que Dieu est un acte qui doit avoir une valeur importante. Et donc, nous pouvons dire que Jésus qui pose cet acte, qui réanime Lazare, vient d'abord pour montrer la force de Dieu, la force de Jésus sur la mort. Et là aussi, Jésus veut montrer qu'il est capable de réanimer quelqu'un, un mort, 4 jours. 4 jours, c'est déjà beaucoup, puisque 4 jours, c'est déjà le temps, le début de la décomposition. Et donc, Jésus peut aller plus loin. Donc, c'est tout simplement pour dire que ce n'est pas tout simplement, comme on pourrait l'imaginer, comme on disait chez nous, hein, une demi-mort. Mais c'est vraiment une mort qu'on peut constater, qui pouvait être constatée cliniquement. Mais Jésus relève Lazare. Il le relève parce qu'il l'aime, mais tout simplement aussi et surtout parce qu'il veut montrer que Dieu est plus fort que la mort. Donc, prémisse de sa résurrection à lui-même, puisque la résurrection, comme je l'ai dit, n'est pas tout simplement une réanimation, mais c'est d'abord et avant tout l'entrée dans la gloire. Et Jésus qui ressuscite va apparaître et sa vie ne sera plus comme avant, même si il mange, mais sa vie n'est plus comme avant, parce que dans la résurrection du Christ, on parle aussi des apparitions. Ce n'est plus un retour à la vie comme avant, mais l'entrée dans la vie en plénitude. Et nous, la résurrection à laquelle nous croyons n'est pas tout simplement une réanimation, mais c'est vraiment l'entrée dans la plénitude de la vie. Et Jésus, dans cet acte qu'il pose, puisqu'il a fait recouvrer la vue à l'aveugle, et là, il ressuscite Lazare, et là, c'en est trop, parce que la popularité de Jésus devient un peu plus grandissante, et ça inquiète. Ça inquiète les pharisiens, ça inquiète tout le monde, parce que cet homme bouleverse les choses. Cet homme dont on ne connaît pas vraiment la vraie nature, l'origine, tout ça qui embête, qui dérange, alors, en ressuscitant Lazare, Jésus va trop loin. Il va trop loin et là, la décision est prise. Il faut l'exécuter. Il faut qu'il meure, cet homme-là qui dérange. Et voilà la contradiction. Celui qui ressuscite est condamné à mort. Celui qui vainc la mort, qui montre qu'il est plus fort que la mort, va connaître lui-même la mort, va être condamné lui-même à mort. Mais c'est là aussi, c'est le chemin que Jésus va suivre, que Jésus va connaître pour, en quelque sorte, on pourrait dire, tuer la mort pour toujours, pour mettre fin à la mort pour toujours. Cette mort éternelle à laquelle l'homme est voué sans le secours de la grâce de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de Lazare qui sont enfermés dans des tombeaux, pas dans des tombeaux physiques, mais dans des tombeaux spirituels, dans des tombeaux liés aussi au regard que nous leur portons. Aujourd'hui, nous sommes aussi parfois devenus ces pierres lourdes qui sont mises sur des grottes de nos frères et sœurs. Et nous sommes là pour les enfermer dans le mal qu'ils ont fait, dans ce qu'ils ont été, dans des maladies, dans nos préjugés. Et nous n'osons pas les sortir de là. Nous cherchons à les maintenir dans cette situation. Et ils sont coincés. Et Jésus, c'est celui-là qui vient, en quelque sorte, nous rappeler, nous pousser à nous relever, qui nous appelle. Et toi aussi, mon frère, toi aussi, ma sœur, qui te sens paralysé, qui te sens inutile, qui te sens dans le tombeau, puisque l'espoir n'est plus là. L'espérance ne fait plus partie de ton vocabulaire. La foi n'est plus là, ou bien elle ressemble tout simplement à une illusion. Oui, la foi, parfois, c'est quelque chose qui
nous pousse à dire Dieu existe. Or, la foi, c'est quelque chose qui me permet de croire. Et là, croire, ce n'est pas tout simplement une croyance, mais c'est dire oui à suivre le Christ. C'est dire oui à être attaché au Christ. Et quand je le dis, ma vie est transformée. Ma vie change et je ne peux plus m'arrêter, puisque je sais en qui j'ai mis mon espérance. Et frères et sœurs, il y en a beaucoup d'entre nous qui sont enfermés dans ces tombeaux du désespoir. Il y en a beaucoup d'entre nous qui ne veulent pas sortir de la misère, de la tristesse, de la dépression, et qui n'osent plus croire, parce que le monde n'est pas toujours facile, parce que la vie n'est pas toujours facile. Il y en a aussi beaucoup qui, ayant connu des moments difficiles, un deuil, se sont enfermés dans le tombeau du désespoir, dans le tombeau du deuil. Et aujourd'hui, Jésus, c'est celui-là qui vient crier, « Sors de ce tombeau, sors de ce tombeau intérieur dans lequel tu t'es enfoui. » Mais là, c'est personnel, mais il y a aussi d'autres qui enferment les autres dans des tombeaux. Nous, le chrétien, c'est celui-là qui vient sortir du tombeau. C'est celui-là qui vient ressusciter en quelque sorte, pas de cette résurrection dont nous parlons dans la foi, mais qui vient ressusciter, qui vient relever, qui vient donner espoir, qui vient donner un peu de force à ceux qui sont faibles. Voilà la mission qui nous est donnée. En ces quelques jours qui nous séparent de Pâques, nous sommes appelés à sortir de nos tombeaux, à quitter nos tombeaux, à quitter nos prisons intérieures, pour être des gens libres, pour être comme des ressuscités. Et l'image, quand on voit bien, voilà, on nous parle de linceul, on nous parle des bandelettes, et à travers tout cela, c'est la résurrection du Christ qui est préfigurée. Et nous allons bientôt célébrer Pâques. Et la foi de Pâques n'est pas le tombeau vide. La foi de Pâques, c'est la rencontre avec le Christ. Laissons-nous porter par l'Esprit pour rencontrer le Christ. Et si nous rencontrons le Christ, nous faisons un saut qualitatif qui nous met au service de nos frères et sœurs, qui nous met au service de la justice, qui nous met au service de la vérité. Ces tombeaux-là, ce sont aussi ces tombeaux de l'argent, de la richesse, de l'intérêt personnel. Ces tombeaux-là, ce sont ces tombeaux qui nous rendent aveugles à la tristesse et à la détresse de nos frères et sœurs. Aujourd'hui, frères, sœurs, qui me suivez, Jésus vous dit aujourd'hui, relevez-vous, sortez de ces prisons, sortez de ces tombeaux qui vous enferment dans le péché, qui vous enferment dans le noir, dans les ténèbres, et sortez pour voir la lumière du Christ qui nous permet de lutter contre le mal. Le mal d'abord en nous, qui est ce combat spirituel que nous avons à mener tous les jours, mais le mal aussi dans notre monde, dans notre société, pour relever ceux qui sont encore dans les ténèbres. C'est déjà le message de Pâques qui commence à s'annoncer aujourd'hui, parce qu'il s'agit de la résurrection. Que Dieu nous aide pour que nous soyons des chrétiens de la Pâque du Christ, des chrétiens transformés, des chrétiens illuminés dès aujourd'hui et pour toujours. Amen.
Because